Salut. Ouverture de vlog un petit peu différente. Je suis levée depuis très tôt, hein. C'est juste que je me suis allongée, je vous explique ce qui se passe. Nous sommes donc mercredi et hier, j'allais dire si vous m'avez suivi, mais non, parce que j'en ai parlé sur Insta d'ailleurs. Suivez-moi, n'hésitez pas sur Insta. Tout ce que je mets pas là, bah, je le mets là-bas. J'ai donc fait des pâtes. Les pâtes qui me restaient, c'était des pâtes un peu italiennes, genre à l'encre, d'autres basilic, bref, des petites rondes. J'avais mis du chavreau, de l'ail déshydraté. Très très bon. Très très bon. Mais Eric et moi, on a commencé à avoir mal au crâne 2 heures, 2 heures et demie après avoir mangé. On s'est dit, bon, c'est peut-être le confinement, c'est peut-être autre chose. Même si tous les deux en même temps, et voilà. Et ça nous a duré toute la nuit et encore ce matin, barre derrière la nuque, barbouillé. On a pris le café, on a pris tout, mais rien n'y fait. Donc je pense que c'est ça. Eric dit ouais, c'est plutôt le manque de glucose. Tout est bon pour boire du coca. Mais non, je pense que c'est ça. C'est ça, parce que même quand je pense à l'ail, je suis barbouillée. Bref, tout ça pour dire que j'étais hyper motivée en plus, vu que je me suis levée tôt. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Tu te prépares et tu fais ton vlog, tu fais ta face cam. Je voulais vous faire la face cam débrief du discours. Et bah voilà quoi. Plus les heures avançaient, plus. Pas bien du tout, Eric. J'ai entendu là, il vient encore de se mettre à l'aise. Il est dans son bureau. Ouais. J'ai quand même décidé de vous faire un vlog. Ben voilà, c'était un vlog spécial confinement. Donc je pense que le fait d'être dans son lit, c'est quand même assez raccord. Hein? Je voulais vous parler également parce qu'en ce moment, il y a énormément, vous avez vu, de live Insta, de live, moins de live YouTube. Et moi, je suis des YouTubeurs qui font, bien avant le confinement, des lives assez régulièrement YouTube notamment. Bah, c'est Esteban Muñoz avec son pote, donc ils sont confinés avec un ami, c'est Alex. Et bah ils font quasiment tous les soirs des lives. Et je trouve ça cool. Alors, ils sont sans filtre. C'est hyper frais. Moi, ça me fait du bien. Ça parle de tout, de tout, de l'actu, de leur futurs projets qui sont forcément un peu avortés ou mis en suspense. Hein. Je crois que l'un des deux, donc il y en a l'un des deux qui chante, qui va très prochainement sortir un EP, me semble-t-il. Esteban, lui, il a plein de projets, des projets plutôt pour sa chaîne, pour tout ce qui est mannequinat. Et ces deux garçons qui sont hyper sympas. Donc je vous conseille vivement d'aller les voir si vous ne connaissez pas Esteban Muñoz et Alex. Je vous mettrai leur chaîne. Et voilà, ça c'est le genre de personnes que je regarde le soir et ça m'accompagne, ça me fait du bien. Sur ce, je vais me reposer un peu et après je verrai comment les choses évoluent. Regardez-moi ça. Mais oui, maman, elle est au lit. C'est pas d'habitude qu'elle fait ça, maman. Qu'est-ce que c'est? Bon. 4h, 4h moins le quart. Je suis descendue parce que Jacques qui me réclamait un goûter, donc ça va pas mieux du tout. Eric non plus, il est allongé. C'est de pire en pire, lui, derrière la nuque. Moi, ça fait plus la nuque, plus là, gueule de bois, quoi, lendemain de fête. Après, je sais qu'il y a des sulfites dedans, dans l'ail, mais c'est sûr que c'est ça. Enfin, ça fait 18 heures qu'on l'a consommé, quoi. Mais pas bien, pas bien. Tu sais, là, les taux, là, comme ça, le casque intégral. Je vais me prendre une infusion parce que le but c'est d'éliminer, d'éliminer si c'est des toxines, d'éliminer à fond quoi. Donc je vais me prendre à fond une infusion. Chaque fois ça tombe ça. J'ai même pas mangé aujourd'hui. Enfin si, j'ai mangé une crêpe. Une crêpe. J'ai pas faim du tout, du tout. Mais c'est ça quoi. Lendemain de cuite, je vous dis. Et ça se trouve, c'est. Ah putain, il faudrait que je me force quand même à manger un truc. En même temps, il n'y a plus grand-chose. Je suis blanche. J'ai pas dormi, je me suis assoupie, juste. J'ai plutôt regardé mon écran, c'est pas terrible, mais bon. Show life. Fait beau, attendez. Et encore, en vrai, le ciel est très très beau, très beau. Ah, j'aurais pu passer de l'autre côté. Chérie? Tu veux une petite infusion? Bah, le voilà. Je me fais une infusion, t'en veux une? Ça va peut-être nous aider, non? Un truc aux fruits rouges? Tu veux aux fruits rouges? Ok, on va regarder ça. Il a retrouvé une boîte de chocolat. Regarde la date d'anniversaire, ça veut. D'anniversaire, hein, lapsus. Jusqu'au 17 août 2020, il y a quoi le 17 août? C'est mon anniversaire. Ah, moi je prends pas de chocolat, j'ai trop mal au crâne. Et toi, t'as mal au crâne aussi, donc je te déconseille, hein, chocolat. T'en fous? Tu parles un petit peu allemand ou pas? Bah, j'ai fait espagnol, moi.
Une terre nemens imiar. Oh là là. Ça veut dire que depuis que... Ah si, t'as fait allemand ? Walter et Maria ont fondé la compagnie en 1953. Mmh. Ils ont suivi toujours les mêmes recettes. D'accord. Et la façon de faire, enfin le... Tu peux me dire surtout ce qu'il y a dedans ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a une double couche. C'est quoi la couche blanche ? Mmh. C'est à quoi ? Mais je t'ai dit de croquer dedans, t'as tout mangé d'un coup, faut que je vois les couches, tout ça pour en manger un troisième. Oh bah ça va mieux toi. Attends, il y a 10 minutes tu faisais pas ça. Hein. Bah oui, mais c'est grâce au chocolat. Ah bien sûr. Ouais. Ah d'accord, c'est bon, tu peux enlever ta main. Mmh. Ah. Oh merde. Bah c'est bon. Ah c'est bien. Vous avez un spécimen d'1m92 quand même devant vous. Ah il est grand, il est très très grand. D'accord, je crois qu'on a compris. C'est ce que c'est qu'un bonte. Ouais, tu danses. C'est quand tu danses qu'il n'y a pas de musique. C'est comme l'air guitare. T'as pas de guitare. Ben moi, je suis l'air. J'ai demandé à Eric qu'il me fasse ça. Vous savez, c'est... Attendez. C'est cette chose qu'on met dans le cuir chevelu. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que soit on adore, soit on déteste. Soit ça fait des trucs bizarres, mais... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'on l'avait acheté chez... Ouais, c'est même pas, je pense, chez Nature et Découverte. J'aime beaucoup, d'ailleurs, cette boutique. C'est un chat qui est encore dans la provocation. Tu sais que maman, elle craque quand tu fais ça. Tu le sais. Mais maman, elle doit aller chercher les courses. Donc, on se voit tout à l'heure. Souhaite-moi bonne chance, bébé. Vous l'aurez compris. Nous sommes le lendemain. J'ai ma tenue de course. C'est ce que je mets à chaque fois. Ça, mes chaussures, genre, hop, allez vous voir. Et quand je rentre, je mets tout à 60. Alors ça fait office de masque. On est d'accord, c'est hyper léger, mais je rajoute un turban, un truc, bref. Et bah, ça fait plaisir. Concernant hier, franchement, on était dans un état, lui comme moi. Ça a été mieux sur les coups de 22h, donc ça a duré bien 18-20 heures, quoi. Je pense que c'était une intoxication. Soit à l'ail, comme je vous disais, soit peut-être également, vu que c'était des pâtes, il y avait plusieurs saveurs, c'était à l'encre de sèche, certaines, peut-être. Apparemment, il y aurait des agents allergènes dans l'encre de sèche. J'en sais pas plus, on n'en saura pas plus. Dans tous les cas, ça nous a bien secoué. Eric est tout excité. Moi aussi, c'est vrai que je suis contente. On va pouvoir enfin manger ce soir, se regarder un film avec un peu de glace. C'est des petits plaisirs simples, mais des petits plaisirs qui font tellement bien. Si, parce qu'il y a le côté chiant quand tu rentres de tout désinfecter, ça prend un temps fou. Si j'ai le temps, j'aimerais vous faire la vidéo facecam de mes impressions, discours, déconfinement, tout ça. Parce que j'ai pas mal de choses... J'ai envie, j'en ai envie, donc ça c'est ce que je pense faire, j'espère pouvoir faire. Voilà. Ce petit vlog aurait été très très court, je m'en excuse, mais voilà, ça reste quand même du contenu. Je vous fais un énorme bisou et on se donne rendez-vous demain. Si c'est pas demain, dans tous les cas, ça sera après-demain. Je vous embrasse fort, salut.